De la transformation numérique, donc un petit guide euh, pour les RH, là, les mener vers le succès. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est l'ordre du jour qui va comme suit. Donc, on va se présenter l'équipe au complet de CARA. Euh, par la suite, euh, ma collègue André là, va regarder à vous présenter les plus grands défis de 2024, ensuite, euh, ce qu'il s'agit de l'analytique RH et la maturité. Et euh, ce qu'on va faire euh, pour finir euh, après cette présentation-là, ben on va regarder là, avec Amy euh, la présentation de quelques cas pour euh, les organisations là, qui euh, ont utilisé euh, le tout. Donc, euh, à la fin, euh, on aura une période de questions où est-ce que vous allez pouvoir activer vos caméras et les poser de vive voix. Mais mais, 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 on vous invite quand même à les mettre dans le chat tout au long euh, de la présentation, comme ça, ça va faire un petit peu plus d'interaction à ce sujet-là. Donc. Okay. On passe à la prochaine slide, qui okay, est nous la présentation. Euh, je dis toujours ça, j'aimerais être le dernier à, à me présenter, mais euh, on me fait toujours la blague. Donc, moi, c'est Jean-André, conseiller je, ici chez CARA. Là, je suis plus euh, quand il s'agit du customer success, donc euh, j'accompagne les clients là, à travers le projet et l'utilisation, euh, non seulement l'utilisation, mais la bonne utilisation de notre outil euh, de CARA. Ensuite, il y a ma collègue André Laforge, que sûrement tout le monde ici connaît. Euh, moi, j'aime ça l'appeler euh, l'entité de l'encyclopédie. Donc, vraiment, là, elle, c'est euh, la personne sur qui on se base quand il s'agit d'un RH. Elle est vraiment notre vice-présidente et chef de produit, Cara. Et euh, ensuite, ma collègue Amy, euh, qui, elle, aussi est une conseillère d'un mais elle est vraiment passionnée là, quand il s'agit de Benji Park. Et puis, euh, c'est elle là, qui, euh, qui est toujours là au début avec les organisations quand il s'agit de débuter euh, leur projet en analytique RH. Ensuite, euh, bon, on va continuer euh, à se présenter. Donc, euh, qui nous sommes, Carab? Ben, euh, nous, de notre côté, euh, on vient de, euh, non seulement de Québec, mais de la ville de Québec aussi. Euh, on est parti là, de euh, la compagnie qui s'appelle Saint-El. Euh, puis là, ça fait plus de 12 ans qu'on est dans l'industrie de la RH. Donc, ce qu'on fait, c'est que vraiment là, on met de l'avant ce qui est plus important dans les organisations. Donc, on dit ça, c'est pour ça qu'on s'appelle CARAT. Donc, on, on, on mesure ce qui est de plus précieux, c'est-à-dire vos talents. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'il s'agit de formation, accompagnement, qualité de données euh, à travers vos systèmes RH. Ben, on vous aide à ce niveau-là. Là, euh, aller de l'avant pour vos projets en RH. Puis, euh, oui, comme je disais, là, vraiment, Saintel depuis euh, 1987, euh, c'est une compagnie, là, une firme de, de BI qui euh, a plus de 350 projets à travers là, différentes organisations. Donc, on a une expérience assez vaste quand il s'agit de différents types de données. Euh, nos activités, donc là, euh, bien entendu, aujourd'hui, après le webinaire, bien, vous allez recevoir là, un courriel avec non seulement la présentation, euh, en PowerPoint, mais aussi la vidéo qui sera la semaine prochaine, mais vous allez recevoir là, vraiment d'ici la fin de la journée, un sondage de satisfaction par rapport au webinaire. Donc là, c'est ce qui nous aide là, à choisir et déterminer les prochains, euh, les prochains titres ou les prochains euh, vraiment webinaires que nous allons effectuer, puis ça nous donne des pistes d'amélioration aussi. Euh, par la suite, le prochain webinaire qu'on va faire, ben, ce sera le premier, mai, euh, qui est la version anglaise aujourd'hui, donc uh, « Writing the digital wave », Um, pour un uh, Guide for the Human Resources. Puis, euh, à la fin, comme dernière activité, ben, ce sera le prochain webinaire là, euh, qui aura lieu le 29, où est-ce qu'on va parler du baromètre RH+. Donc, je laisse la parole à André. Que je vais partager mon écran, euh, Jean-André. Ah, OK, parce parfait. Que veux, parce que je ne veux pas que tu. Moi, euh, ouais, vas C'est euh, plus ou... facile pour moi pour changer les, euh, mmh. les diapos. Oui, non, pas de souci. <laughs> ah, pas de souci. Bon, je vous ai rien que perdu. Là. Je vais essayer de vous retrouver sur mon. Bon, voilà, je vous ai. Euh, donc, les plus grands défis euh, pour euh, 2024. Ça, c'est tiré d'une étude qui a été faite par le Boston Group Consulting. Euh, L'étude est sortie en novembre. Là, et moi, j'ai vu un, un webinaire là, qui est fait, euh, qui ont fait. Et j'ai accroché là, sur euh, beaucoup de choses dans ce webinaire-là. Puis je voulais vous en faire part avant qu'on embarque dans le vif du sujet. Donc, le Boston euh, Consulting Group, qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, ils ont euh, interrogé près de 7000 personnes à travers le monde, dans différents secteurs d'activité, à différents niveaux dans les organisations. Ils ont posé, leur, la question qu'ils leur ont posée, c'est quels sont les défis que vous pensez avoir à rencontrer dans votre organisation en 2024? Donc, c'est quoi les problèmes que vous pensez que vous allez avoir en 2024? Puis, les gens pouvaient en nommer plus qu'un. Okay, donc, il n'y avait pas à nommer seulement un problème, il pouvait en nommer plus qu'un. Et là, vous avez sur ma, ma diapo le résultat de, cette, de, de ce sondage-là. Et on voit là que euh, la première chose, c'est vraiment la main-d'œuvre et les compétences. Donc, pour des gens de ressources humaines, je vous dirais que c'est intéressant. Euh, ça, nous donne, ça nous donne du travail. Mais il faut comprendre là, que la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie de compétences, parce que la pénurie de talent, c'est deux choses, mais euh, on, on, y, on continue à faire face à ça. Là. Euh, et ça devient c'est toujours plus complexe pour les organisations de gérer cette problématique-là. Fait que vous voyez, c'est le plus grand défi qui est ressorti dans tous les défis, euh, bien avant la transformation numérique, bien avant la conjoncture économique où ça ne va pas encore très, très bien au niveau économique. On pense, on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel, là, mais on est encore là, dans une conjoncture économique pas facile pour les organisations. Fait que vous, vous avez là les défis euh, auxquels les organisations font face. Ce que ça amène, ça, ça amène euh, à l'équipe RH, des organisations euh, beaucoup de pain sur la planche. Et euh, je vous amène à ma deuxième euh, diapo où là ils ont posé, c'est encore le même étude, là. Euh, puis j'ai pris directement là, le, 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 le graphique euh, à l'intérieur de l'étude. Je m'excuse pour l'anglais, c'était beaucoup moins long pour moi qu'essayer de refaire le graphique en français. Euh, et là, ils ont posé, ils ont, ils ont mis 30, je pense c'est 32 euh, thèmes RH. Ils ont demandé aux gens de les prioriser. Euh, ils ont demandé aux gens aussi, euh, selon ces thèmes-là, est-ce que vous avez les capacités ou est-ce que vous avez les compétences à l'interne dans votre équipe RH pour réaliser ces thèmes-là? Et euh, est-ce qu'à court terme ou dans un futur rapproché, vous allez travailler sur ces thèmes-là? Donc, on a, on a 32 thèmes et euh, quand vous regardez l'axe euh, des X, là, on voit euh, la... la, 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 la la capacité ou si je vous dirais les, les compétences, mais ben ça va de haut à bas. Okay? Euh, donc, on part de la gauche, là. là, on a des bonnes compétences en RH. Jusqu'à bas, on n'a pas beaucoup de compétences là-dedans. Puis quand on regarde l'autre axe, l'autre axe, c'est l'importance pour le futur. Puis là, ça part de bas à haut. Fait qu'ils ont positionné chacun des thèmes là-dedans. Et ils ont fait ressortir les thèmes dans la, la portion rouge, là, qui vont être les thèmes critiques pour la prochaine année. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui ne voit pas la diapo? De mon côté, ça a pris une petite minute à embarquer, mais je le vois. Les autres personnes dans le chat, je vous invite à répondre à la question, moi, juste pour s'assurer qu'on n'a pas une seule personne <laughs> ouais. Ouais, qui, qui puisse voir qui... le contenu. Je vois. OK. Merci, Isabelle. Okay. Okay. OK, good. OK, fait en tout cas, merci. Merci de nous avertir de ça. Okay. Euh, donc, la portion en rouge est vraiment euh, la portion euh, sur laquelle les RH vont travailler dans les prochaines années, mais vous voyez que les capacités ou les compétences ben, passent de moyen à bas. OK, pour ces euh, pour ces, euh, ces, ces thèmes-là. Puis le premier thème là, pour euh, les prochaines années, c'est vraiment le développement du leadership dans les organisations. Fait que ça, c'est vu là, comme un des thèmes les plus importants. Euh, et ensuite, on voit le Strategic Workforce Planning ou la planification stratégique là, des effectifs. Ça, pour faire, euh, pour faire euh, de la planification stratégique des effectifs, ça vous prend des données, hein, fait que ça vous prend de l'analytique en place, je vous dirais. Puis je porte votre attention sur 8, 7 et 8, là, qui sont un peu superposés, mais c'est l'analytique RH et aussi toute l'architecture TI RH. Fait que ça, c'est des choses sur lesquelles les RH doivent travailler, euh, mais ils n'ont pas nécessairement les compétences à l'interne pour le faire. Puis vous allez le voir tout à l'heure euh, quand euh, Amy va vous présenter les différents cas. Euh, elle va vous parler un peu des porteurs de dossiers de l'analytique RH dans les organisations. Et souvent, ces gens-là ne sont pas nécessairement issus des RH, ne sont pas des purs RH. Euh, elle, va pouvoir vous, elle va vous en parler. Euh, plus en détail. Puis juste pour ceux-là qui se demandent, c'est quoi le vert? Là? Le vert, c'est des choses que les RH maîtrisent. Puis là, là-dedans, là, euh, puis j'y vais de mémoire, là, mais on a la santé, sécurité au travail, les relations de travail, les politiques RH, le travail hybride, je pense que c'est le numéro 30 ou 31. Euh, fait que ça, c'est comme des choses qui, que les RH maîtrisent plus, euh, mais concentrez-vous sur le rouge. ok. Puis euh, puis le 10, parce que moi, je, me, je regarde tout le temps les, euh, les outliers, là, comme on dit ça, les, les gens, qui, les pas les, les, les points qui ressortent un peu là, du lot. Le point 10, c'est vraiment les RH stratégiques. Donc, d'être stratégique au niveau RH, c'est vraiment un thème là, que les organisations placent très haut euh, dans l'importance dans future. Puis moi, je me suis donné comme mission dans la vie de rendre la fonction RH stratégique. Puis honnêtement, je base, je mise beaucoup, beaucoup sur l'analytique RH pour rendre la fonction RH plus stratégique. Donc en gros, euh, ça c'était pour mettre la table là, sur ce qui s'en vient au niveau ressources humaines. Euh, et là, ben, ça m'amène au point là, de l'analytique RH. Okay? Euh, bon, pour ceux qui suivent nos webinaires régulièrement, euh, on l'a répété souvent là, que l'analytique RH est un processus qui permet de prendre une décision optimale ou réaliste basée sur des données, basée sur des faits. Et on vous a souvent présenté ce graphique-là, qui est ce qu'on appelle, nous, le continuum de l'analytique. Donc, je ne passerai pas en détail sur le continuum, mais dans le fond, ce que ça vient dire, c'est que pour progresser en analytique RH, ce n'est peut-être pas une ligne droite. Comme elle est là, là sur notre graphique, mais il faut passer, il faut franchir quand même certaines étapes, ok Et il faut acquérir des compétences. Et certains vont y aller plus rapidement que d'autres. Euh, mais pour faire ça, ben ça vous prend une équipe, ça vous prend des responsables, ça vous prend un budget. Parce que oui, on peut se débrouiller à monter nos tableaux de bord nous-mêmes à l'interne, à utiliser SurveyMonkey pour faire des sondages aux employés. On est capable de se débrouiller avec peu de budget, mais ça donne les résultats que ça donne. Euh, donc, si on veut vraiment être sérieux en analytique RH et passer là, le mur de l'analytique, comme on l'appelle, nous. Euh, il faut quand même euh, investir dans une équipe à l'interne, euh, des gens qui vont être responsables, investir dans des technologies, euh, s'assurer que nos données euh, sont propres, euh, que nos données sont bien utilisées. Donc, le continuum de l'analytique, c'est ça que ça vient exprimer. Avant de passer euh, le, le, le micro à, à ma collègue Amy, on vous en a parlé aussi de la maturité en analytique RH. Pensez que la maturité, elle est basée un peu sur le continuum. Donc, quelqu'un qui est mature va être capable de faire du prédictif et du prescriptif. Quelqu'un qui commence en analytique, peut-être qu'il calcule seulement quelques, quelques indicateurs de performance. Donc, notre modèle de maturité qu'on a bâti chez Cara. Euh, puis je pense qu'on a, on a commencé On l'a publié en 2022. Puis on a publié aussi un sondage, un, un sondage, un questionnaire que vous, que vous remplissez, qui a une quinzaine de questions, si je me souviens bien. Et ça, ça vous aide à vous positionner euh, sur notre modèle de maturité et à déterminer à quel niveau de maturité vous êtes. Notre, madele, notre modèle de maturité, il y a quatre niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau réactif. Bon. Comme son nom l'indique, c'est qu'on est réactif, puis qu'on n'a probablement pas encore bâti grand-chose au niveau de l'analytique RH. Donc, on a notre haute direction qui nous pose une question. C'est quoi le taux de roulement dans notre organisation? Bien, pour faire ça, il faut aller chercher les chiffres, il faut s'asseoir avec notre calculatrice, puis là, ben, on répond à la question. Puis là, on amène notre résultat à la haute direction. Puis là, ils nous disent, ben, OK, mais est-ce que tu es capable de me le, me le segmenter par nos différents bureaux? Là, il faut que vous retourniez parce que vous n'aviez pas pensé à ça. Vous retourniez avec votre calculatrice, votre chiffre Excel, puis vous faites vos calculs. Donc, vous êtes très réactif. Et pour vous, ce n'est pas une priorité, les données dans votre, dans votre organisation. Fait que si vous regardez là, le, 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 le graphique pointe de tarte qu'on a mis là, là euh, puis ça, c'est vraiment sur les données à jour euh, de, notre, de notre sondage, parce que vous pouvez continuer à... Euh, si vous ne l'avez pas rempli là, le, le sondage, vous pouvez toujours le faire là, sur notre site web, c'est quand même assez visible. Fait que vous pouvez remplir, puis ce que ça vous donne, ça vous donne votre résultat, puis on vous envoie un petit rapport là, avec ça euh, pour, euh, pour vous expliquer à quel niveau vous vous retrouvez, puis qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer à un niveau, euh, à un autre niveau? Donc, les réactifs au Québec, actuellement, il y a 28,9 des organisations qui sont au niveau réactif. Je vous dirais qu'on a autour de 200 organisations là, qui, ont, qui ont rempli le sondage. Fait que 28,9 presque 30 sont encore là, des gens que l'analytique n'est pas une priorité. Ils ne sont pas en 2024, eux. Là, okay? Ils sont encore euh, dans les années 80. Euh, fait, 20, 30 c'est quand même élevé, là, euh, je vous dirais. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plus de 50 qui sont au deuxième niveau, qui est la prise de conscience. Donc, ça, ça ces gens-là comprennent que l'analytique RH est importante comprennent que les données RH qu'on a dans nos systèmes RH, sont importantes et qu'il faut en prendre soin, OK? Donc, vous avez investi beaucoup d'argent dans votre système d'information RH pour le mettre en place, mais c'est important qu'il soit bien alimenté. Donc, c'est important que la donnée que vous rentrez dans votre SIRH soit bien faite. Ça soit bien fait, ça. Euh, fait que je vous dirais qu'au niveau prise de conscience, c'est ça qu'on fait, on s'assure que notre donnée est propre, puis on veut mettre en place des tableaux de bord. La première chose qu'on veut faire, c'est mettre en place des tableaux de bord. Puis, des tableaux de bord, euh, je dirais qu'on peut regarder au moins à tous les trimestres. OK? Euh, c'est sûr que ça serait le plus fun de les regarder à tous les mois, puis même à tous les jours, s'ils pourraient être. Moi, j'appelle ça être en vie, là. un tableau de bord, il faut que ça reste en vie. Euh, mais ce n'est pas tout le monde qui est, qui, est, qui est en mesure de faire ça. Si ça vous prend euh, trois heures à produire votre tableau de bord, ben, c'est sûr que vous ne ferez pas ça à tous les jours. Okay? Vous allez peut-être y aller une fois par mois euh, pour le faire. Fait que donc, la prise de conscience, on a plus de 50 des organisations au Québec qui sont à ce niveau-là. Donc, les gens ont pris conscience que l'analytique RH est important euh, et que nos données RH valent de l'or et que ça peut rapporter à l'organisation si on les utilise adéquatement. Si on fait le total de, de réactifs et prises de conscience, là, on n'a pas loin, mais ben même on a plus que je compte suite vite, là, on a plus que 80 d'organisations qui sont à ce niveau-là au Québec. Maintenant, les deux, deux autres niveaux, on a la convergence. Là, la convergence, là, on a nos tableaux de bord, la donnée est propre. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut aller chercher d'autres sources de données. On veut croiser d'autres sources de données. On veut croiser de la donnée de vente avec notre donnée, euh, notre donnée RH. On veut aussi analyser plus en détail ce qu'on voit. On ne veut pas juste montrer un tableau de bord. On veut essayer de voir, ben ok, mon taux de roulement, il est à ça aujourd'hui. Euh, à quoi il risque d'être demain si on ne fait rien? Donc, on est plus là, en mode d'essayer de voir de la corrélation entre nos données, euh, essayer de voir aussi, de, de mettre un peu en place des modèles statistiques pour nous aider. Fait au niveau convergence, 16 des organisations au Québec sont à ce niveau-là. Et finalement, le niveau maîtrise, ça, le niveau maîtrise, 1,7 euh, donc, vous voyez, ce n'est pas beaucoup d'organisations qui sont au niveau maîtrise. Niveau maîtrise, c'est que la donnée RH, là, elle sert à prendre toutes vos décisions qui sont en lien avec le talent. Il n'y a plus aucune décision qui est prise si on n'est pas capable d'avoir les chiffres pour venir appuyer notre décision. Euh, ce qu'on a aussi au niveau maîtrise, c'est qu'on a vraiment une équipe d'analytique RH en place. Leur job, c'est juste, juste ça qu'ils font de l'analytique RH. Puis au niveau maîtrise, bien, on a tous les outils nécessaires. On a dans notre équipe des scientifiques de données, euh, des psychologues organisationnels. Donc, vous voyez. Pourquoi c'est si peu élevé C'est normal. Parce que pour être au niveau maîtrise, il faut quand même être une très grande entreprise. Okay? Une organisation avec 500 employés. Aspirer à être au niveau maîtrise, mais ça va être difficile pour eux étant donné que vous ne pourrez pas avoir une, deux personnes à temps plein qui font de l'analytique. Euh, pour avoir une, une personne à temps plein qui fait de l'analytique, il faut avoir au moins 2000 personnes. Fait que vous voyez, euh, le niveau maîtrise là, est plus vraiment pour la grande entreprise. Euh, fait en gros, voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la maturité. Fait que Amy, c'est à toi, fait que je te laisse euh, juste un petit, je te laisse prendre la main juste pour vous dire, vous expliquer que là, ce qu'on veut, c'est sûr elle va vous parler de cas, de gens qui utilisent. Utilise notre outil, mais ce n'est pas ça qu'on. On veut pas nécessairement vous vendre CARA. Là. Ce qu'on veut vous vendre, c'est que l'analytique RH, c'est quoi que ça peut vous rapporter? Okay? Parce que c'est votre projet à vous. Puis l'analytique RH, dites-vous que ça peut rapporter beaucoup à votre organisation. C'est ce qu'on veut vous exprimer là, avec les études de cas que Émie va vous présenter. Bien, merci beaucoup André. Merci aussi à Jean-André pour cette introduction-là. Donc, c'est vraiment une belle mise en bouche sur ce qu'on va parler maintenant. Donc, les trois cas d'organisation qui utilisent l'analytique RH. Comme André vient de le mentionner, c'est des organisations qui utilisent notre solution euh, CARA. Euh, on vous a préparé une brochette assez, je vais dire, diversifiée d'organisation. Donc, on en a une plus petite, une moyenne et une plus grande. Et ils sont issus de trois secteurs d'activité qui sont bien différents. Donc, vous pouvez voir que peu importe votre secteur d'activité et peu importe votre taille, l'analytique RH, c'est quelque chose qui est quand même à votre portée. Donc, le premier cas que je vais vous parler, c'est le cas de BC Research. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette organisation, ça a été créé en 1949 et c'est une organisation qui oeuvre dans le secteur des finances. Et plus concrètement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent des études indépendantes sur les investissements et ce, au niveau mondial. Donc, leur siège social est à Montréal, mais ils ont également des bureaux à tout ce qui est Hong Kong, Sydney, Londres, San Francisco et New York. Et leurs principaux clients, c'est tout ce qui va être euh, des institutions financières, des compagnies d'assurance, des compagnies d'investissement, euh, des conseillers en placement, des compagnies de fonds de pension. Donc, vous voyez un peu le topo. Et la personne avec qui on fait affaire chez BCA Research, c'est Sonia, donc vous pouvez voir ici. Sonia est titulaire, elle, bien, elle détient un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie organisationnelle et c'est en 2016 qu'elle a joint les rangs de BCA Research. Elle, on l'a rencontrée dans les mois qui ont précédé son embauche chez BCA Research. Elle avait participé au congrès RH, donc un congrès que vous connaissez certainement tous. Et André avait fait une présentation sur l'analytique RH et c'est là qu'elle nous a vraiment rencontré. Donc, elle, ce qu'elle a dit, parce qu'elle ne veut pas, je l'ai rencontrée pour pouvoir bâtir l'étude de cas que je, vous ai présenté, que je vais vous présenter, du moins ici. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a vu enfin la lumière, donc enfin. Euh, le département des ressources humaines, comme tous les autres départements, en fait, va pouvoir enfin utiliser les données. Donc, pour pouvoir mieux s'appuyer, appuyer ses décisions et appuyer vraiment ses projets. Donc, elle, dans les mois qui ont continué notre rencontre, elle a continué vraiment de regarder tout ce qui était analytique RH. Et lorsqu'elle a commencé chez BCA Research, elle avait mentionné vraiment son désir d'utiliser la donnée RH. Et c'est quelque chose qui les avait plu parce que chez BCA Research, étant donné que c'est une compagnie qui fournit des études, c'est une compagnie pour qui la donnée est quand même très, très, très importante. Et chez eux, tous les départements, à l'exception d'un, se mesuraient. Et l'exception était le département RH. Donc, le département RH relevait euh, de la vice-présidente exécutive à cette époque-là et il y avait une seule personne qui en faisait partie. Et là, je ne vous l'ai pas mentionné, mais BCA Research, son bureau à Montréal avec qui on fait affaire, parce que nous, on fait vraiment affaire avec le bureau de Montréal, c'est plus de 150 employés. Donc, il y avait une personne aux ressources humaines pour les plus de 150 personnes. Donc, euh, vous êtes pour la plupart euh, ce midi issus euh, des ressources humaines. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Donc, la personne qui était là, elle gérait des urgences, elle éteignait des feux et elle s'occupait de traiter les différentes demandes. Donc son travail c'était vraiment ça, donc elle était très peu axée sur l'utilisation de la donnée parce qu'elle avait très peu de temps pour l'intégrer dans son quotidien. Donc, Sonia entre en poste chez BCA Research, commence à s'imprégner vraiment de la culture organisationnelle et au bout des trois premiers mois, arrive à une table d'un comité de direction avec un document qu'elle avait préparé, un document qui faisait plus de 40 pages sur l'utilisation des données de chez BCA Research. Donc, elle leur présente le document et tout de suite, les, les questions commencent à arriver parce qu'elle présente certains calculs. Donc, elle présente notamment tout ce qui est taux de roulement là-bas. Et là, tout de suite, les gens ont fait « Est-ce que tu es sûre? C'est quoi la formule? » Donc, elle avait tout préparé. Elle est arrivée. Elle a dit « Oui, je suis certaine du chiffre. Voici la formule utilisée. Voici le nombre de départs. Et si vous n'êtes pas certain de la donnée que je vous présente, voici la liste des personnes. » Donc là, tout de suite, les gens ont reculé dans leur chaise en faisant Ok, c'est ça notre résultat. » Et là, elle est allé encore plus loin en précisant « Voici combien ça l'a coûté. » Donc, bien entendu, tout de suite, les oreilles ont été vraiment à l'écoute de ce qu'elle avait à dire. Et dans les mois qui ont suivi, elle a dit c'est super, on veut vraiment intégrer l'analytique RH chez nous. Donc comment qu'on fait ça Donc tout de suite, elle, on lui a dit ben avant d'apprendre à courir, il faut vraiment marcher. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a adhéré tout de suite à ce qui s'appelait euh, mesure RH à l'époque. Donc pour ceux qui travaillent dans le domaine des ressources humaines, ce midi, vous connaissez certainement le baromètre RH qui est une solution de benchmarking en ressources humaines. Le mesure RH était le prédécesseur vraiment du baromètre. Donc, c'était une solution euh, de benchmarking trimestriel qu'on avait créée chez CARA avant qu'on crée le baromètre RH pour l'ordre des CRHA. Donc, elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a adhéré tout de suite au baromètre RH et elle présentait vraiment de manière trimestrielle les résultats euh, qu'elle obtenait et les comparatifs. Mais très vite, encore une fois, ils sont arrivés à la conclusion de on aimerait ça vraiment aller plus loin avec nos données RH et comment qu'on veut le faire. Donc, encore une fois, on lui a dit OK, ben, c'est important. Oui, vous voulez faire le step, mais on va y aller encore une fois progressivement. Donc, elle a commencé à participer à ce qui s'appelle chez Cara, notre module découverte. Donc, on a une plateforme d'analytique RH, il y a deux manières de procéder. Donc, vous pouvez soit la connecter directement à la source d'information chez vous. Ou vous pouvez utiliser le module découverte dont l'alimentation est faite par un chiffrier Excel. Donc, elle, elle a commencé comme ça vraiment son projet d'analytique RH. Donc, avec le chiffrier Excel qu'elle alimentait et qu'elle fournissait sur une période euh, quand même très régulière. <laughs> Et là, ça lui a permis, de, justement, d'être capable de segmenter l'information chez elle. Donc, est-ce que c'est plus mes hommes, mes femmes, mes non-binaires qui sont plus problématiques euh, en matière de roulement? Est-ce que j'ai plus un problème avec mes hauts potentiels, mes bas potentiels? Où est-ce que ça se situe tout ça? Et là, ils ont continué vraiment leur projet. Puis là, je, je vais sauter cette slide-là parce que j'en ai déjà parlé. Mais, ce qui est arrivé, voici les résultats au bout d'un an. Donc, elle, elle a implanté vraiment la solution CARA en 2018, en module découverte. Et les, les résultats que je vous présente là, c'est un an après l'implantation de l'analytique RH au sein de l'organisation. Donc, le premier résultat que je tiens à vous présenter, c'est que, elle, ça lui a permis de vraiment cibler les zones problématiques de son organisation pour intervenir, bâtir des initiatives très rapidement. Et son taux de roulement a passé de 27 à 7 en un an. Donc, et en plus, au moment où je l'ai rencontrée, cela faisait déjà un an qu'elle a utilisé CARA et elle était très heureuse de me mentionner que son taux de roulement continuait de descendre aussi. Et à cette époque-là, on était dans la période de ce qu'on appelait chez nous euh, la grande démission, que vous connaissez certainement. Et elle disait que pour elle, la grande démission n'avait eu aucun effet pour son organisation, du moins à ce moment-là. Ensuite, deuxième point, ce que ça leur a permis de constater, c'est qu'ils faisaient beaucoup affaire avec des recruteurs. Donc, j'avais une personne aux ressources humaines pour les 150 employés. Donc, le recrutement, c'était très difficile pour elle de se pencher sur ce dossier-là. Donc, ils ont regardé, puis ils faisaient affaire avec euh, des firmes de recruteurs. Donc, vous pouvez vous douter, c'est très dispendieux. Donc, très vite, ils ont dit OK, euh, ça va être plus rentable d'embaucher quelqu'un qui va s'occuper du recrutement chez nous. Donc, tout de suite, ils ont fait également grosser euh, l'équipe RH. Euh, et euh, comme vous pouvez vous en douter, quand on fait du recrutement, c'est soit A parce que notre organisation grandit ou soit B parce qu'on veut remplacer les postes des personnes qui ont quitté notre organisation et qui quittent également sous peu. Donc avec ça, avec ces informations là en main, ça l'a permis justement de réduire son coût par embauche de 55%. Donc, juste là, pour les deux premiers points que je vous mentionne, l'utilisation de l'analytique RH leur a permis d'économiser plusieurs centaines de milliers de dollars en une année seulement. Et finalement, le troisième point, étant donné comme de quoi elle avait mis beaucoup d'interventions pour justement corriger certaines lacunes, et elle, ce qu'elle nous dit également, Sonia, c'est que les talents vos employés sont à la base de votre organisation et sans eux, vous ne pouvez pas opérer et ce, peu importe votre secteur d'activité. Donc, que vous soyez une entreprise qui effectue des recherches, justement, et des études, ou que vous êtes une entreprise dans le domaine manufacturier, ça vous prend des talents pour opérer. Donc, les talents sont vraiment à votre base de votre organisation et c'est très important de les écouter. Donc, elle, ce qu'elle qu nous a dit, c'est que d'utiliser l'analytique RH et d'observer ces chiffres, les analyser, lui a permis de mieux comprendre c'était qui ces talents. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était quoi leurs principaux enjeux? Et ça l'a permis vraiment d'intervenir rapidement à des endroits qui étaient plus problématiques dans son organisation. Ce faisant, le sentiment d'écoute des employés a grandement augmenté et elle a vu une augmentation du sentiment de reconnaissance de plus de 15 en un an. Donc, ça, c'est les trois premiers résultats après un an d'utilisation de l'analytique RH auprès d'une entreprise du secteur financier. La deuxième organisation que je vais vous présenter aussi aujourd'hui qui utilise notre solution Cara, c'est le groupe Lutech. Donc, le groupe Lutech, vous les connaissez certainement, donc c'est l'une des plus importantes entreprises en termes de location, outils, machinerie lourde ou équipement spécialisé. On compte plus de 450 employés et ça a été créé en 1979. Toutefois, un fait intéressant qui est quand même très intéressant, encore une fois, à, à comprendre. C'est qu'au départ, Lutec, les bannières étaient toutes indépendantes. Et c'est en 2017 que certains propriétaires ont dit OK, c'est correct, on fait une corpo. Vous comprenez ce que je veux dire? On fait une corpo avec tout ça. Donc, on se rassemble. Donc, au départ, chaque bannière était indépendante, avait ses propres systèmes, avait ses propres processus, et soudainement, en 2017. On rassemble tout le monde et là on a une organisation de plus de 450 employés, près de 500 employés. Donc c'est à ce moment-là en 2017 que le département des ressources humaines a réellement été créé chez le groupe Lutec et ce malgré déjà euh, ses plus de 30 ans d'existence. Donc près de 40. Ouais. Donc euh, tout ça pour dire que elle Anémone, la personne avec qui on traite chez eux est arrivée en poste en 2021. Parce qu'au départ, quand le département a été créé, il a fallu établir vraiment les bonnes bases. Et Anémone, elle est arrivée un petit peu plus tard. Anémone, elle a fait des études en comptabilité, puis elle a poursuivi à la maîtrise en ressources humaines et vraiment en gestion de tout ce qui était changement. Donc, elle a quand même fait des études en comptabilité et un mix en ressources humaines. Donc, elle, elle est un petit mix, notre Anémone. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, tout de suite au départ, quand elle a commencé sa carrière en ressources humaines, elle avait tout de suite levé la main en disant comme de quoi, moi, la donnée, les systèmes, donc tout ce qui était infrastructure technologique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et une personne qui était chez l'UTEC, qui était dans une même organisation qu'elle à ses débuts, l'a contactée en 2021 en disant Ok, parfait, on est rendu à implanter un système d'information RH, donc un SIRH chez nous, puis on a besoin de quelqu'un en rémune. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, c'est en 2021, justement, qu'elle joint les, les rangs de l'OUTEC euh, pour pouvoir implanter un nouveau système RH. Donc, elle commence un peu à faire l'analyse de ce qui se passe chez elle et elle commence à regarder différents fournisseurs. Et finalement, on la rencontre dans une journée organisée par l'Ordre des CRH. Vous connaissez peut-être la journée boîte à outils. Donc, c'est une journée où plusieurs fournisseurs vont venir présenter ce qu'ils font euh, aux professionnels RH pour voir de quelle manière ils peuvent aider les professionnels RH dans leur quotidien et dans leurs fonctions. Donc, elle, elle assiste à cette journée-là et elle assiste à des différentes présentations, des présentations sur des SIRH. Et finalement, elle tombe sur la présentation de Cara euh, vers la fin de la journée. Et c'est là qu'elle dit Non, ce n'est pas tant d'un SIRH qu'on a besoin chez nous. On a besoin d'utiliser notre donnée RH et de la de l'agréger dans un seul et même système pour pouvoir faire de l'analytique RH. Donc le lendemain, elle repart dans son organisation mais elle son projet comporte un risque. Donc on a plusieurs sources de données nous à regrouper chez nous chez Lutech. Comment on va faire ça Parce que chez Lutech, comme vous pouvez vous en douter, euh, il y a plusieurs systèmes. Donc il y a une infrastructure plus complexe que d'autres. Donc, chez certaines organisations, vous allez avoir un système qui va gérer la paix, qui va gérer euh, l'affiche employée, le recrutement, la formation, avoir tout ça en même temps. Puis, il y a d'autres organisations pour qui c'est des systèmes séparés qui ne communiquent pas du tout entre eux. Et c'est le cas chez Lutec en ce moment. Donc, eux se demandent, OK, on va faire ça, parfait. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un système qui va venir nous fournir, nous cruncher de la donnée alors que nos systèmes à la base nous en fournissent déjà? Qu'est-ce que ça a de plus? Donc, Anemone a présenté son projet comme étant, nous avons beaucoup de projets en ce moment, beaucoup d'initiatives qu'on mène et il faut savoir, est-ce que ces initiatives-là ont un impact? Parce qu'on a un objectif de croissance actuellement chez Loutech et on a besoin d'une solution qui va venir nous aider et qui va venir nous supporter dans notre croissance. Donc, c'est approuvé. Et elle continue de porter son dossier euh, au cours des mois suivants. Et là, je n'ai pas vraiment de résultats à vous montrer parce que, contrairement à euh, la première organisation que je vous ai montrée, euh, l'UTEC utilise l'analytique RH depuis quelques mois à peine. Mais l'une des difficultés, c'était de voir est-ce que l'analytique RH va vraiment être utile pour nous. Donc, c'était vraiment de démocratiser l'analytique RH dans un certain sens. Et elle, ce qu'elle nous a dit lors de la rencontre qu'on a eue au cours des dernières semaines, c'est que l'analytique RH nous permet d'avoir une meilleure vue de notre organisation pour bâtir notre futur au lieu d'être en réaction. On peut prévenir plutôt que guérir. Donc, ce qu'elle nous disait, c'est qu'au départ, chez le groupe Lutex, ce qui se passait, c'était qu'on était souvent en réaction. Donc, il se passe une situation chez nous, on va bâtir une initiative vraiment pour la régler. Une initiative qu'on pense qui va régler le problème. Donc, c'était comme ça que ça fonctionnait. Toutefois, quand elle est arrivée et qu'elle a présenté ses premières analyses, ses premiers tableaux de bord, ça l'a mis vraiment un frein à ça. Et là, on a dit OK, vous avez une initiative. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place? Est-ce que la donnée corrobore vraiment le projet que vous voulez mettre en place? Et finalement, ça leur a permis de mettre en place trois projets prioritaires. Donc, à partir du moment où ils ont obtenu leur premier visuel et leurs premières analyses, il y a trois projets qui sont vraiment ressortis. Donc, le premier, pour lequel je n'ai pas vraiment de détails, c'est tout ce qui est diversité, équité et inclusion. Donc, ils ont observé leur bassin de main-d'œuvre et ils ont dit OK, on va mettre un plus grand accent là-dessus au courant des prochaines années C'est quelque chose qui va être important pour notre organisation. Le deuxième projet qu'ils ont mis de l'avant, c'est le projet roulement involontaire des nouveaux employés. Donc, ce qu'ils ont constaté, c'est que différentes locations, euh, localisations, je veux dire, plus, ont un roulement involontaire des nouveaux plus élevé. Donc, je vous rappelle, le roulement involontaire des nouveaux, c'est des roulements auxquels l'employeur met un terme à l'emploi. Et des nouveaux, parce que la personne, finalement, qu'on a embauchée ne faisait pas l'affaire. Donc, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait certaines localisations chez qui c'était beaucoup plus problématique. Donc, ils ont permis de prendre ces dossiers-là et de mettre ça en main de leurs partenaires d'affaires RH pour qu'ils puissent mieux accompagner les gestionnaires vraiment dans leur recrutement et ainsi sauver euh, un grand nombre de coûts au sein de leur organisation. Et finalement, le troisième projet qui a été mis en lumière par rapport à ça, c'est le projet retraite. Donc, quand ils, ont, quand ils ont obtenu leur premier visuel, ils ont constaté qu'un grand nombre, puis là, je vais citer vraiment Animal, animal une bonne couple d'employés étaient déjà admissibles à la retraite ou allaient être admissibles au courant des prochaines années. Donc, là, ce qu'ils ont dit, c'est Ouh, on va avoir un problème bientôt. Est-ce qu'on a des personnes qui vont être capables de remplacer ces personnes-là? Est-ce qu'on a des, des successeurs qui sont déjà prêts? C'est quoi les formations que ces personnes-là doivent suivre? Est-ce qu'il faut qu'on aille en recrutement? Donc, ça leur permet de justement euh, permettre à l'UTEC de se préparer pour le départ à la retraite de certains employés qui étaient vraiment essentiels au roulement et au fonctionnement de leur organisation. Et finalement, je vais vous présenter le troisième cas. Le troisième cas, c'est Énergir. Donc, vous les connaissez assurément. C'est l'un des plus importants distributeurs de gaz naturel au Québec et eux aussi, par le biais de co-entreprises, ils sont également producteurs d'énergie éolienne, hydraulique et solaire. Donc, ils sont présents à l'international et c'est plus de 1600 employés au sein de l'organisation. Et eux, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, les administrateurs ont, ont pris la décision d'utiliser et d'intégrer l'analytique RH et la donnée RH dans leur pratique. Donc, à ce moment-là, les administrateurs prennent cette décision-là et regardent un peu euh, qui peut prendre en charge ce dossier-là et décident d'ouvrir le poste de responsable d'analytique RH. Et c'est Valérie qui en est, euh, qui l'occupe en ce moment, ces fonctions-là. Donc, Valérie euh, a fait des études en comptabilité, elle aussi. Donc, elle n'est pas une RH peu. Et euh, son parcours professionnel est principalement dans les départements des finances et des organisations. Et ça fait depuis 2009 qu'elle est chez Énergir, dans tout ce qui est finance. Et elle a décidé de faire le saut vraiment en ressources humaines au moment où ils ont ouvert le poste de personne responsable de l'analytique RH. Donc, en 2021, elle joint l'équipe RH pour occuper ce poste. Et là, elle, elle prend ses marques et elle arrive très vite à l'une des principales questions qu'on se pose au début de tout projet d'analytique RH soit, OK, de quelle manière on va le faire Est-ce qu'on le bâtit à l'interne ou est-ce qu'on fait affaire avec une firme externe qui a une solution prédéveloppée Et nous, c'est dans ce contexte-là qu'on l'a rencontré, Veux, Veux, pas Valérie, parce que eux, la décision qui a été prise, c'est de le faire à l'interne. Donc, rapidement, ils prennent cette décision-là et là, ils se demandent OK, comment. Produire certains visuels, quels sont les visuels qu'on devrait adopter, et c'est comme ça qu'elle nous a contacté, Valérie. Donc, Valérie a eu un accompagnement pour bâtir des maquettes de tableaux de bord RH. Donc, c'était vraiment ça son projet. Donc, au fur et à mesure que le projet progresse avec nous, avec Cara, on lui présente ses maquettes et là, ils arrivent à la conclusion de OK, les administrateurs ont vraiment un besoin urgent d'utiliser cette donnée-là et pouvoir bâtir ces analyses-là va nous prendre quelques mois, voire quelques années. On a besoin d'accélérer le tout. Et c'est comme ça qu'elle a finalement décidé de confier le dossier à une firme externe, ce qui permettait en plus de libérer CTI pour de, de nouveaux projets à valeur ajoutée. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, mais il y avait un risque quand même chez elle soit de démocratiser l'analytique RH parce que comme je vous ai mentionné au départ les administrateurs ont émis le besoin d'utiliser la donnée pour la prise de décision mais ce qui s'est passé c'est que au niveau opérationnel on a beaucoup de demandes on accompagne nos gestionnaires on a beaucoup beaucoup de travail et il est très 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 difficile de pouvoir intégrer l'utilisation de la donnée RH dans nos pratiques quotidiennes donc, elle, le principal risque à son projet, malgré le besoin de la haute di direction, c'était de démocratiser l'analytique RH au sein de son équipe. Et là, je suis bien heureuse de vous présenter quand même quelques résultats. Donc, euh, tout comme euh, le groupe Lutec que je viens de vous présenter il y a quelques minutes, Énergir utilise l'analytique RH depuis quelques mois à peine, donc depuis à peu près cinq mois. Donc, ils n'ont pas de résultats très concrets à nous présenter aujourd'hui. Toutefois, je suis quand même bien contente de vous citer euh, ce qu'elle nous a dit, c'est je sauve tout le temps de calcul manuel qui est sans valeur ajoutée. Ce temps, je peux l'investir sur l'analyse et donner l'information clé pour guider la prise de décision. Je peux vraiment jouer mon rôle. Et là la citation complète, je tiens à la préciser, je peux vraiment jouer mon rôle de conseiller. Toutefois, je l'ai coupé parce que je voulais pas que ça porte à confusion, donc elle voulait pas dire son rôle de conseiller comme étant le titre de poste mais bel et bien son rôle de conseiller, son organisation, sa haute direction en matière de gestion des talents. Donc, c'est ça qu'elle voulait dire euh, par rapport à ça. Et sinon, les résultats que je vous présente ici, c'est euh, trois résultats, euh, ben, c'est six petits résultats qu'elle nous a donnés au courant de la rencontre. Donc, le premier, c'est trois mois. Donc, trois mois, ça a été le temps nécessaire pour mettre en place son projet d'analytique RH. Donc, à partir du moment où elle a décidé d'aller avec Cara et où elle a obtenu ses premiers visuels et ses premières analyses. Ça a pris trois mois. Donc, c'est possible de pouvoir utiliser l'analytique RH et d'effectuer de l'analytique RH sans prendre plusieurs années pour nous y rendre. Ensuite, je vais rajouter avec ça deux phases. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de ne pas uniquement utiliser tout ce qui est les données de démographie, roulement, rétention et mouvement interne au sein de son organisation, mais elle a décidé également d'inclure tout ce qui était les données de recrutement aussi dans ses analyses. Donc, elle va plus loin euh, que les simples taux de roulement. Et ensuite, je vais vous donner aussi tout ce qui était économie de temps, euh, coût et énergie. Donc, euh, le temps, bien, je viens déjà de vous mentionner comme de quoi la mise en place du projet d'analytique RH a pris à peine trois mois. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'elle a accès instantanément aux données dont elle a besoin. Donc, le cas concret qu'elle m'a mentionné euh, lors de notre rencontre, c'est que sa, sa supérieure hiérarchique était dans une rencontre, puis elle a reçu un message texte justement de sa part, lui mentionnant. C'est quoi notre taux de roulement là, là Elle dit, ce qu'elle nous a répondu, c'est que normalement, elle aurait pu retourner dans les anciens rapports qu'elle avait produits au cours des mois précédents et lui transmettre un résultat qui n'était pas à jour. Sinon, ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est qu'elle s'enferme vraiment dans son bureau, qu'elle recueille l'information et qu'elle fasse le calcul directement à la mitaine et qu'elle aurait pu lui transmettre ce résultat-là finalement dans un délai d'environ une heure et demie à deux heures. Alors que là, tout ce qu'elle a eu à faire, c'est de se connecter et en quelques clics avoir accès à l'information. Donc, elle économise un grand nombre de temps. Et ensuite, oriente une prise de, valeur, de décision à valeur ajoutée dans le terme de coût. Donc, elle, ce qu'elle nous a dit, c'est que l'information est déjà toute présentée lorsqu'on utilise l'analytique RH pour pouvoir l'utiliser. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'avoir un analyste. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'embaucher quelqu'un. Donc, ils ont sauvé ces coûts-là. Euh, en utilisant une solution d'analytique RH, mais ils ont également permis de à qui on s'adresse au sein de notre organisation et où est-ce qu'on doit investir en priorité. Donc, ça l'a permis de vraiment mettre les investissements au bon endroit, au bon moment. Et finalement, énergie accès aux meilleures pratiques du marché. Qu'elle voulait dire par là, c'est que pendant que le projet a été implanté, CTI ont pu consacrer leur autre leur énergie à d'autres projets à valeur ajoutée pour l'organisation. Donc ils ont économisé beaucoup d'énergie et elle aussi parce que vous, vous, pas, lorsque vous implantez ce genre de projet-là, vous avez besoin de savoir les formules, les données. Donc tout a été fait selon les meilleures pratiques du marché. Donc elle a économisé beaucoup d'énergie dans la réalisation de son projet. Et finalement, celle-là c'est je le gardais pour la fin parce que c'est mon préféré, c'est le prétexte de partage. Donc c'est vraiment ce qui a permis de régler le risque qu'on a mentionné sur la slide précédente, soit de démocratiser l'analytique RH. Donc, chez elle, la démocratisation de l'analytique RH était super importante et elle a utilisé le prétexte de partage pour finalement parvenir à ses fins. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle se disait, puis c'est ce qu'elle nous a dit, c'est qu'en arrivant et en obtenant ses premiers visuels, si elle partageait instantanément les accès à l'ensemble de son département RH, probablement qu'il allait regarder au début c'est quoi ça pouvait faire, mais que ça allait s'arrêter là et que ça n'allait probablement pas être piné dans les favoris dans le haut de l'écran. Donc, comment on fait en sorte de, justement, susciter cet engouement-là envers la donnée RH? Donc, est-ce que c'est dit, bien, ça va prendre un prétexte pour partager des accès à l'analytique RH. Donc, maintenant, lorsque quelqu'un a un projet au sein de son département RH à mettre en valeur, c'est là qu'elle vient connecter l'analytique RH en se disant Ok, voici de quelle manière l'analytique RH peut t'aider dans la réalisation de ton projet euh, peut t'aider également à tout ce qui est euh, motivé aussi la réalisation de ce projet-là, mais également en évaluer la réussite. Donc, tout de suite, ça a créé un engouement et maintenant, lorsque les gens ont un projet à mettre en place, ils utilisent beaucoup l'analytique RH dans la réalisation. Donc, ce sont vraiment les trois cas concrets euh, d'utilisation d'analytique RH que je voulais vous présenter aujourd'hui. Euh, je vais laisser euh, mon collègue. Veux-tu qu'on procède dès maintenant à la période de questions, Jean-André, ou tu préfères parler de ça, puis on y reviendra après? Euh, ben, on peut passer à la période de questions, parce que ça laissera le temps, puis euh, sinon, on fera le résumé par la suite. OK, parfait. Donc, tout le monde, si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans le chat. Sinon, je vais faire comme d'habitude et je vais en poser quelques-unes à André. Ah, puis les micros sont ouverts aussi. Donc, si vous préférez le faire là, de vive voix, ben, c'est possible par la même occasion. André, tu as accompagné quand même un grand nombre d'organisations au courant des dernières années, euh, depuis que tu es chez CARA, en vrai dire. Euh, si je ne me trompe pas, plus de 80 organisations ont fait appel à ton aide pour la réalisation et la concrétisation de leurs projets d'analytique RH. Selon toi, c'est quoi les plus grands freins, justement, pour les organisations qui souhaitent amorcer ce type de projet-là? Il euh, ben, y, y a plusieurs freins, OK euh, le premier, c'est que si ça ne vient pas de la haute direction, habituellement, le projet, il meurt dans l'œuf. Okay, on a bien beau être très, très, euh, vouloir mettre en place quelque chose au département RH, mais si la haute direction, ça ne les intéresse pas, euh, si ça ne vient pas d'eux, si... Habituellement, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut avoir vraiment l'aval la, de la haute direction si on veut euh, bâtir une initiative d'analytique RH dans notre organisation. Le deuxième frein, bien, bien entendu, c'est les données. Okay. Euh, les données dans les systèmes RH, nous, rapidement, on est capable de vous dire si ça fait du sens que vous avez ou s'il y a des problèmes dans vos données. Souvent, quand on implante un système, que ce soit un système de paie ou un système RH, un système de paie, par exemple, tout le monde a un système de paie, fait que quand c'est implanté, c'est implanté pour faire la paie, puis on ne réfléchit pas à comment on pourrait utiliser l'information qui est dedans. Donc, on ne crée pas des bons groupes d'emploi. Euh, nos localisations. Euh, on, on, on crée ça là juste pour être en mesure de réaliser la paye et on ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Euh, ce qui fait en sorte que les données qu'on va avoir dans notre système de paye ou dans notre système RH, bien, ils, ils gèrent des processus, mais euh, c'est tout ce que ça fait. fait que ce qu'on se rend compte, c'est que souvent dans des organisations, euh, euh, dans les organisations, on va avoir un système en place, mais que les données à l'intérieur ne seront pas bonnes et que là, ben, avant de, que notre analytique RH puisse démarrer, ben, il va falloir faire du ménage dans nos données. Fait que je vous dirais que c'est ça, là, les deux freins là, euh, la haute direction et euh, les données. Okay. On a une question qui oui. est arrivée dans le chat, puis c'est quand même quelque chose qu'on nous pose fréquemment. Donc, c'est quoi votre différence? Donc, c'est quoi le, le différenciateur entre une solution d'analytique RH, l'analytique RH et un SIRH? Bien, un SIRH, c'est là pour gérer les processus. Donc, c'est là qu'on rentre les données, euh, les données employées. Euh, c'est là qu'on vient rentrer quand on embauche quelqu'un. Euh, fait que le SIRH sert à gérer vos transactions RH dans votre organisation. Et un, une plateforme d'analytique RH vient se positionner par-dessus euh, le SIRH et prend l'information et la rend disponible pour prendre des meilleures décisions. Donc, va calculer des indicateurs de performance, va croiser euh, de la donnée, euh, va segmenter la donnée plus facilement. Donc, pas, euh, on est plus dans un outil d'aide à la décision que dans un système de gestion transactionnelle là, comme les SIRH. Est-ce qu'on a d'autres questions, Amy? Non, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivé dans le chat, mais assurément. Ah! Oh. Je suis la seule RH pour une manufacture de 60 employés. Un SIRH serait trop coûteux. Quels sont vos conseils pour débuter l'implantation de l'analytique RH? Ben, vous avez certainement un système de paye. Puis beaucoup d'organisations de, de votre taille ont employeur D ou nettrice euh, on, on les voit. Fait que c'est de prendre ces données-là dans le système de paye. À 60 employés, une solution comme CARA, selon moi, c'est trop. En tout cas, peut-être avec le module découverte, ça pourrait être intéressant là, parce que c'est plus, c'est plus c'est plus léger. OK. Euh, mais à 60 employés pour faire pour commencer de l'analytique RH, vous avez vos données dans le système de paye. Moi, je me bâtirais un beau chiffrier Excel. J'amènerai ça là-dedans, puis je, je calculerai mes formules, puis je mettrais mes formules, puis j'irai choisir quelques indicateurs qui sont pertinents. Pour, si vous êtes dans le manufacturier, probablement, l'absentéisme vous intéresse, le roulement, bien entendu, probablement tout ce qui est santé, sécurité au travail, que peut-être quelques indicateurs de santé, sécurité au travail. Moi, c'est ce que je ferais. Il euh, y a aussi, puis là, Amy, euh, Amy, tu pourras mm -hmm. racheter, il y, y a le baromètre RH. À uh, RH, qui vous donne accès à 10 indicateurs de performance uh, au trimestre. Uh, fait que vous, avez, vous fournissez la donnée. Donc, vous faites un tu sais, les, les, gens, les gens voient le baromètre RH comme compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est la première fois que vous allez rentrer de la donnée dedans que ça va être un peu plus long. Mais euh, si à tous les trois mois, vous sortez les données que vous avez besoin pour aller rentrer dans, dans le baromètre RH, bien, ça va vous prendre 15 à 20 minutes là, à 60 employés. Puis vous allez avoir un tableau de bord euh, qui va représenter trois mois. Euh, mais ça peut être probablement très utile. Euh, surtout pour venir vous comparer, puis de dire, ben, moi je suis dans le manufacturier, je suis dans telle région, mon taux de roulement est à tant de pourcents. Dans mon secteur, ben, il, est soit, il est plus élevé ou il est plus bas. Mais, euh, ça, ça veut dire que s'il si, est, est plus bas, ben, j'ai peut-être à travailler un peu sur ma rétention, puis de mettre en place des initiatives. Donc, ça peut peut-être vous aider là, à venir pitcher votre projet à votre haute direction, en montrant ce qui se passe dans le secteur, puis où vous, où vous en êtes, puis que vous avez vraiment besoin de mettre en place telle telle initiative. C'est quand même très compliqué, je dois t'avouer. C'est ça, ouais. ça permet de venir cibler c'est où, puis en même temps, si vous voyez que vous avez un problème, vous-même, vous où est-ce que vous devriez creuser pour voir où est-ce qu'elle est la problématique chez vous? On n'a pas d'autres questions. Donc, Jean-André, je te laisse conclure tout ça avant que l'heure soit que terminée. Le oui, donc pour faire un petit résumé, donc, comme on a dit, vous allez recevoir là, un sondage de satisfaction d'ici la fin de la journée. Puis la semaine prochaine, vous allez recevoir là, vraiment un courriel avec la présentation PowerPoint plus le webinaire. Comme ça, si vous avez des choses que vous aviez remarquées, vous les réécouter. Bien, vous allez pouvoir euh, les prendre note et les reconsulter de cette façon-là. On a aussi le prochain webinaire en anglais le 1er mai, euh, qui s'intitule Writing the Wave of Digital Information. Donc euh, ça aussi serait intéressant. Et sinon, pour euh, avoir beaucoup plus d'informations puis voir euh, comment on parlait du baromètre RH dans les derniers instants, bien, ce sera le 29 mai où ce qu'on a un prochain euh, webinaire euh, là-dessus. Donc, on vous invite à vous inscrire en grand nombre. Puis ça a été un plaisir là, de présenter le tout pour vous. Oui, puis juste...